Bonjour, je m'appelle Anne, je suis la harpiste de l'Orchestre national de Lille. Donc voici mon instrument. La harpe est un instrument qui est une forme de triangle qui ressemble à un cœur aussi, si on veut, qui a quatre principales composants. Vous avez la colonne, tout droite, la console, incurvée, la caisse de résonance avec la table d'harmonie et des ouïes par lesquelles on peut accrocher les cordes et puis qui laissent le son passer aussi, et le socle sur lequel sont fixées les pédales. Il y a 47 cordes sur cet instrument-là, 47 cordes qui correspondent, pour faire simple, aux touches blanches du piano. Et on va avoir les touches noires du piano avec les pédales. En fait, les pédales servent à faire les altérations, bécard, bémol ou dièse. Il y a donc 7 pédales, une pour chaque note de la gamme. À gauche, on a 3 pédales, pédale de si, do, ré, et à droite, mi, fa, sol, la. Ces pédales sont accrochées à toute une mécanique qui est dans la console, qui est composée entre 1500 et 2000 pièces. Elles sont accrochées par des tringles qui passent dans la colonne et donc qui actionnent tout le système là-haut. Lequel système est composé de ce qu'on appelle des fourchettes. En fait, ce sont des petits disques avec deux dents. Et il y a par corde deux fourchettes qui vont couper la corde à un endroit précis pour changer la hauteur de la note. De la même façon que les instrumentistes à cordes coupent la corde avec leurs doigts, nous, c'est les fourchettes. Donc, quand on a une pédale bémol, la pédale de Do, par exemple, qui va actionner tous les Do. Quand la pédale est au bémol, la corde est libre de la table oscillée là-haut. Si on met la pédale au bécard, c'est le premier disque qui va couper la corde. Donc nous avons le bécard, bémol, bécard. Et si on met la pédale en bas au cran du dièse, c'est le deuxième disque qui coupe la corde et on gagne un demi-ton. Voilà. Le rôle de l'harpe dans l'orchestre est essentiellement un rôle de couleur, parce que c'est un instrument qui n'est pas extrêmement puissant en comparaison des cuivres ou de la masse de l'orchestre en général. Donc on utilise l'instrument pour son timbre particulier, pour ses effets aussi de glisser, par exemple, comme ça, qui sont assez spectaculaires. Et de temps en temps, on a ce qu'on appelle des solos ou des choses très en dehors, où là, vraiment, on profite de l'instrument à part entière. Je n'ai pas choisi la harpe au tout début parce que je suis originaire de Nice et quand je suis rentrée en cours préparatoire, donc ça remonte, il y avait la création des classes à horaires aménagés. Mes parents m'y ont inscrit et voulaient que je fasse du piano comme beaucoup d'enfants en tout cas. Malheureusement, comme il y avait beaucoup de demandes, on n'a pas pu me mettre en piano et j'ai dû aller voir le directeur qui était Pierre Cochereau, grand organiste, et qui m'a dit « va voir la dame dans la classe là-bas ». Voilà, c'était la prof de harpe. Donc j'ai continué, un peu contre l'avis de mes parents au début, mais ils m'ont quand même laissé après. Et c'est une belle histoire, je pense. Il y a un solo qui est très connu, pour même du grand public, c'est le solo qui est extrait du ballet de Casse-Noisette, dans La Valse des Fleurs, qui est assez spectaculaire, ça met bien l'harpe en valeur. Et c'est pas forcément ce que je préfère jouer à l'orchestre, parce qu'il y a des pièces que je préfère, mais en général, je suis fondue dans l'orchestre, donc c'est moins intéressant peut-être pour le public.